Le motif paillette est né au milieu des années 1940. C'est la fin de la guerre, c'est la libération, c'est la joie, c'est la paix retrouvée. C'est le retour de l'or jaune qui prend toutes ses couleurs et qui est associé au rubis, au turquoise, au diamant. Et donc l'or jaune prend vraiment tout son éclat. Le motif peut présenter deux formes, il peut être bombé ou il peut être au contraire en creux, il peut être incurvé. Et au centre de ce motif paillette, on a toujours un petit motif en serticlo ou de rubis ou de turquoise ou de diamant. Les premiers motifs paillettes apparaissent sur des colliers assez imposants, des colliers torques, et aussi sur des bracelets simples ou croisés. Ensuite, les motifs paillettes vont apparaître sur les ballerines. Les ballerines sont des modèles iconiques de Van Cleef & Arpels. Ils sont nés aussi au milieu des années 1940 aux États-Unis. Et beaucoup de tutus de ces ballerines sont réalisés justement avec ces motifs paillettes. C'est un modèle qui aura énormément de succès aux États-Unis. Il y a un Vogue américain donc de 1956 qui représente deux mannequins portant un bracelet paillettes croisé en or jaune et diamant et des motifs d'oreilles bombées assortis. Van Cleef & Arpels vient d'acquérir pour sa collection privée un très joli clip paillette de 1948 qui représente une fleur ornée de ses toutes petites paillettes. Ce modèle est en or jaune et serti de diamants ronds. Ce sont des motifs assez abstraits, hein, ces motifs de sequins, ces motifs de pastilles. Donc c'est presque un petit peu de l'abstraction géométrique, hein, vraiment très iconique de Van Cleef & Arpels. Voilà des bijoux qui sont vraiment à mettre en relation avec l'art de l'époque.